Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut tout le monde! Aujourd'hui, comme c'est dit dans le titre, j'ai fait mon 150e top 1 sur Warzone et j'avais envie de changer un peu, de tenter quelque chose d'autre. Du coup, je me suis fait un peu une classe improbable avec, en fait, une arme de longue distance que j'ai utilisée et qui est tout simplement un bazooka, le Strela. Et je voulais changer un peu. Et ça, je l'ai fait en solo, du coup, ce qui me permettait d'avoir directement Fantôme et c'est pas un atout négligeable. Donc en fait, en réalité dans cette vidéo, il y a deux gameplays. Il y a mon 150e top 1 et juste après, il y avait aussi le 149e top 1. Les deux, je les ai fait avec le Strela, donc pour les armes lointaines. Donc le premier 150e top 1, je le joue avec la MAC-10. Donc la MAC-10, je vous montre vite fait la classe. Donc c'est une classe classique. Et du coup c'était pour les combats rapprochés, voire mi-distance, puisque la MAC-10 ne bouge pas d'un poil. Et donc pour les échanges à longue distance, j'avais mon Strela. Dans la deuxième vidéo, dans le 49e top 1, j'avais joué avec la Grou. C'était avec cette classe-là. Hop, que je vous mets à l'écran, donc une Gros très classique. Donc ça c'est une Gros quand même plutôt pour les échanges moyenne distance, longue distance, pas tellement pour le combat rapproché, même si c'est bien aussi. Donc là le Strela il était pas vraiment uniquement pour une longue distance, c'était surtout là pour, parce que dans les modes solo, au-delà de ça, le Strela ça permet de nettoyer les véhicules, même s'ils ont moins, ils ont mis moins de camions ces derniers temps. Il y a quand même pas mal de véhicules en solo et quand on n'a pas de véhicule c'est vite embêtant. Et aussi contre les boucliers, vu que maintenant ils ont un peu nerf les boucliers et qu'ils prennent plus de dégâts quand vous êtes flashé et que le bouclier commence à vous rusher, vous lui mettez dans les pattes une roquette de Strela et on n'en parle plus hein. Donc voilà, profitez bien du gameplay, ciao ciao. Partez en première ligne, mais si vous perdez, tout est fini. Éliminez-les ou contournez l'objectif. Retournez au combat.
on approche. Nouvelle zone de sécurité identifiée. Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Fucking go! Enfin, putain, enfin.